Donc là, on va réaliser un brancard fortune pour transporter une personne, évacuer une personne en position allongée, une personne où on n'a pas de suspicion au niveau du rachis, donc pas de problème au niveau de la colonne vertébrale. Donc, il faut avoir trois sacs à dos qu'on vide. Le dernier qu'on rembourre légèrement pour gagner un petit peu en confort et en hauteur, ça va être sous le dos de la personne. Il faut un sac à dos dans lequel, sur lequel on puisse enlever les brides des bretelles du sac à dos. Ensuite, on les met dans cette position. On va passer la première bride, venir rattacher le sac. Juste que ça tire un petit peu. Regardez. Tout ce qui est sans le buste un petit peu écarté. Ensuite, celle-ci. Je passe les bouts avec la ceinture. Je laisse ouvert. Ensuite, venir, tu t'allonges à côté. Donc, on vient placer les trois sacs sur le côté de la victime. On va se mettre à trois personnes pour pouvoir faire un relevage. Viens vers moi là, de façon à pouvoir enjamber la victime sans tenir. Pipi, tu te mets au pied. Allez, on cale, Pipi, tu cales avec ton pied le sac à dos de façon à ce qu'il ne parte pas. Équipier, êtes-vous prête? Oui. Attention pour lever, levez. Posez. Alors, ensuite, on va sangler la personne. En reprenant les sangles. Venir. Avec les pieds par pas, ici on peut réduire. Même au niveau de la tête, on peut éventuellement lui faire un petit coussinet de façon à améliorer le confort de la personne. Elle met bien ses bras dessus, pour les laisser tendre. Hein. Ensuite, pour le transport, on va se mettre à 6 personnes. Je vais rester à la tête pour pouvoir contrôler et discuter avec la personne pendant le transport. Donc, il y a d'autres personnes qui viennent avec moi. Une sixième personne, on se met face à la victime, on prend son brancard à un endroit qui est solide, c'est-à-dire que vous prenez bien des prises fermes au niveau des brides du sac à dos, des bretelles du sac à dos, ici, toi ici, donc on peut faire ça avec des clients. Hein. Et qui vient vous prêt? Oui, oui. Attention pour lever, lever. Marche. Ça va, Odile? Oui. C'est bien? Oui. C'est confortable au niveau de ton dos? Oui, c'est confortable. Attention pour poser, stop. Attention pour poser. Poser.